galère avec une main, y'a la paix. Et la culture de la bêtise, oui, de ça je suis raciste. Une main à l'eau. C'est les vlogmas. Mais je suis à la crème, il est 7h du mat. Je me suis réveillée à 6h. Je me suis fait un thé, je suis en train de boire de l'eau au citron. J'ai presque fini mon thé. On s'en fout de mon thé. Qui s'en fout de mon thé? Plutôt, qui s'en fout pas de mon thé? Qui s'en fout pas de mon thé? À part ma gueule. À part moi. Moi, clairement, mon thé, il est là. J'ai presque fini. Le Christmas des Zayr. Des DZ. Le Noël de Yasmine. Le Noël de la famille de Yasmine. Je fête pas Noël, mais je fais les vlogmas. En fait, je fête Noël. Votre monde de Gotha, moi je n'en voulais pas. Évidemment que tu crois, mais on se fait quand on ne sait pas. La bouche Gorbetta, une douze, mais vous étonnez pas, ça pue le coup d'état. Une main à l'eau. A few moments later. Tout à l'heure, vous m'avez vu, je me suis réveillée à 6h du matin. À 7h, j'étais en train de danser. Et après, je suis retournée me coucher. Et là, je me suis réveillée. Il est 11h20. Pourquoi je me réveille à 6h du matin et je danse? Pour faire genre et après, je vais me rendormir jusqu'à 11h? Mouais. Est-ce que vous connaissez ça? J'ai acheté ça à Action. Vous connaissez les galettes de riz soufflées? Bah ça, c'est des barres de riz soufflées, pareil que les galettes enrobées de chocolat. C'est super bon. Trop bon, mais je vais en manger un. Et je suis posée devant l'ordinateur. Je sais pas ce que je fais aujourd'hui. Je sais pas trop. J'ai envie de mettre des patchs sous mes yeux et sur ma bouche. Attendez, je vais faire ça, je vais mettre... En fait, je vous ai dit, je me suis rendormie, mais vous savez pourquoi? Je me suis réveillée à 6h, à 7h, je vous ai parlé. Et à 9h du matin, j'avais des nausées, j'avais envie de vomir. Oh là là, j'étais pas bien. Et du coup, ben, c'est de l'eau de rose, ça. L'année dernière, je m'en suis bien sortie. Hein. C'était bien l'année dernière. Vous savez que j'ai plus d'amis. Je sais pas si vous vous rappelez de Jérôme. Je devrais même pas parler d'eux. Mais bref, Jérôme, j'étais souvent au téléphone en visio avec lui. Ben, on a coupé les ponts. On se parle plus. Et voilà. Même les autres, j'ai plus d'amis. Mais je suis mieux comme ça. Je préfère, franchement, je préfère. Des fois, je suis un peu triste à l'idée d'être toute seule, pas d'avoir d'amis et tout. Mais c'est mieux parce que franchement, c'était pas des vrais amis les gens avec qui j'étais. C'est vaut mieux être seul que mal accompagné, ben voilà, c'est exactement ça en fait. Mieux vaut être seul que mal accompagné. Vous connaissez ce dicton? Ben il est super vrai ce dicton. C'est pas du tout n'importe quoi. J'aime trop m'asperger le visage d'eau de rose, c'est mon kiff.
Shkinga Konga, Shkinga Kinga Konga, Shkinga Konga. Ah, je vais faire un truc. Vous savez ce que je vais faire? J'arrive. Je vais vous montrer. Me voilà de retour. Oh. Oh, 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 oh. Non, ce que je voulais vous dire. Ce que j'ai fait. Je vais vous montrer ce que j'ai fait. Ça n'a rien d'exceptionnel du tout, mais bon. J'ai pris de l'eau glacée, j'ai mis des glaçons dedans, ils sont en train de fondre les glaçons parce que dans ma chambre il fait super chaud. Et je vais mettre ces deux globes massants, je vais les mettre dedans. Et après je pourrais me faire un massage à mon visage avec. Voilà. Est-ce que je fais un masque en tissu? Regardez tous mes masques. J'ai trop de masques. Je vous montre. Attendez. Je vais vous montrer ma collection de masques. Oh, j'ai failli faire tomber le truc dans les glaçons là. Les globes massants, ils ont failli tomber par terre. Je suis. Oh, j'aurais pleuré si c'était cassé. Bon, peut-être pas pleurer, mais bon. Donc, ma collection de masques. Attendez, mais où est-ce que. Ça, je vais le mettre là-bas. Là, on a tous les masques en tissu. Que ce soit pour les lèvres, comme cela. Que ce soit en hydrogel doré, comme ça, pour le visage. Ou tout simplement les masques, comme ça, en tissu visage. Celui-là, j'ai hâte de le faire. Il est trop beau. Normalement, si je me trompe pas, il a des motifs roses et comme ça. Rose et blanc. Mais si je me trompe pas, parce que j'ai vu une fille avec sur internet. Et donc quand je l'ai vu, je me suis dit ça doit être lui qu'elle avait mis. Mais c'est pas sûr. Peut-être que c'est un dupe tout simplement. On verra bien. Après j'ai des masques là, peel-off, avec des paillettes là. C'est ceux-là. J'ai des masques qui font des bulles comme ceux-là. De la mousse, des bulles et tout. Je les aime pas trop. Je sais pas pourquoi je les ai achetés ceux-là. J'ai les patchs pour les yeux. Attendez, vous voyez pas bien. J'ai les patchs pour les yeux là. Celui-là et celui d'en dessous. Les deux verts. Là, j'ai des masques à l'argile comme ça. Mais c'est trop blindé en fait. C'est blindé de masques ce truc. Il y a trop de masques là. Après, on a des masques en tube comme ça. Celui-là, c'est celui de chez Kiko que j'ai essayé en vidéo. Je pense que je l'utiliserai plus jamais de ma vie. Donc, j'ai envie de vous le faire gagner en concours, mais je l'ai déjà ouvert. Dites-moi si vous voulez que je vous l'envoie par la poste. Je vous l'enverrai peut-être, hein, pourquoi pas. Mais faut me dire. Donc, dites-moi en commentaire. Mais je l'ai ouvert, j'ai utilisé une fois pour une vidéo et après, je ne l'ai plus réutilisé. Donc, dites-moi si vous le voulez. Je sais pas combien ça coûte par la poste. Je peux vous l'envoyer par la poste. Ça me coûtera quoi, 3 euros? Bah dites-moi, on en parlera plus tard. Après, j'ai ce masque-là en peel-off doré. Je l'aime bien, lui. J'ai une boîte avec des masques pour les yeux, des patchs pour les yeux. C'est pas ceux que j'ai sur mes yeux, là. C'est d'autres encore. Ceux-là, ils sont bleus et roses. Ceux que j'ai, là, sont en tissu. Ceux-là, ils sont en hydrogel. Voilà, après, je crois que je vous saoule là avec mes masques, non? Sérieux. J'ai le masque en stick aussi de chez Sephora. Voilà quoi. Des masques et des masques. Mais c'est trop satisfaisant. Ah, j'ai des masques pour les pieds aussi, comme ça. Ah, j'ai envie de le faire. Oh, les filles, venez, je fais ce masque pour les pieds. Et je vous parle de ce masque après parce qu'il fait vraiment peur. J'ai des masques pour les mains, je l'ai fait hier. J'ai fait un masque pour mes mains hier. Elles sont belles mes mains. Je pense que... Je sais pas. Bref, attendez, je vais reposer ce truc. Et je vais vous parler du masque pour les pieds. J'ai envie de le faire avec vous. Comme ça, au moins, il y a des témoins si jamais je perds mes pieds. Belle de chose, je perds mes pieds. Je suis malade ou quoi, moi? Allez vous faire cuire un œuf. Allez vous faire cuire un œuf. Allez vous faire cuire un œuf. N'importe quoi. Je suis folle, moi. Je suis complètement tarée dans ma tête. Attendez que je teste.
C'est glacé, 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 glacé. Parce que ces trucs, juste tu les mets dans l'eau froide. Ça se refroidit grave, 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 encore plus que l'eau. Ça devient encore plus froid que l'eau dans laquelle elle était. Et donc là, j'ai mis dans les glaçons. J'avais mis 3 glaçons dans l'eau, et là, je les ai mis dedans. Donc, ils sont glacés, là. Bah, tant mieux, c'était le but. Comment c'est agréable, le froid, comme ça, sur les yeux. Donc, ce masque pour les pieds. Il me fait trop flipper, ce masque. En fait, vous le mettez sur les pieds, d'accord? C'est comme des chaussettes avec du produit à l'intérieur. Et au bout de 6 jours je pense, bah t'as les pieds qui pèlent. Toute la peau, elle part de tes pieds. Toute la peau des pieds, elle part. Et les pieds, ils pèlent. Ça me fait peur. Faut que je regarde une vidéo sur internet pour que je vois des images des pieds qui pèlent pour savoir à quoi je dois m'attendre. Ouais, je vais faire ça. Je regarderai les vidéos des gens qui ont fait ce masque et j'en redonnerai des nouvelles. Le masque, je l'ai eu dans la Beautiful Box, dans la Gloria Box. Je suis abonnée à une box beauté. Tous les mois, je reçois des box. Donc voilà. Coucou! Je vais aller acheter du pain, il pleut dehors. Il pleut, il pleut, il pleut, il pleut, il pleut, il pleut. Est-ce qu'il pleut? Je crois qu'il pleut, ouais. Il pleut un tout petit peu. Voilà, tenue du jour, mais c'est pour aller au sport que je me suis habillée comme ça. Donc j'ai juste mis un survêt et une doudoune. Je vais acheter du pain pour ma daronne, après je vais aller au sport. A few moments later. Coucou, j'ai mangé, je vous ai pas parlé pendant que je mangeais parce que j'ai mis ma caméra à charger, elle était vide. Alhamdoulilah, c'était trop bon, des patates avec de la sauce champignon, c'était super bon, franchement je me suis régalée. Moi il m'en faut peu, hein. Tu me fais une assiette de patates, c'est le top. Ça y est, on a atteint le top très vite, hein, avec moi. Je vais pas me maquiller aujourd'hui, j'ai pas envie de me maquiller. J'ai mis un peu de blush tout à l'heure, c'est un peu estompé. Mais j'ai pas envie de me maquiller, et là faut que j'aille au sport, 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 sport. C'est quoi que je voulais faire d'abord? Je voulais faire quelque chose. C'est quoi? Je voulais faire quoi? Je voulais vous parler peut-être, c'est tout. En ce moment, je suis très rêveuse. Je rêve de plein de choses. Je pourrais rester assise par terre dans ma chambre à rêver pendant 3 heures. Je vous assure que j'exagère même pas. Des fois je reste comme ça, après ma prière, j'ai mon foulard, le tapis par terre et tout. Et je reste comme ça, je l'ai fait tout à l'heure. Et je reste 1 heure comme ça par terre à rêver. Il va m'arriver ça, je vais faire ça, lui il m'a dit ça, nanana. J'aime bien rêver. C'est bien de rêver la journée. Il n'y a pas que quand on dort qu'on doit rêver. Moi j'aime bien rêver. Bon, il faut qu'il y ait de quoi rêver aussi. Des fois il n'y a rien du tout à penser, hein. De beau, de bon, de... Bref, voilà. Bon, moi, faut que j'aille au sport. Je finirai ma boisson choupa choups après, je vais aller au sport. Je vais changer de doudoune parce que j'ai mis cette doudoune, la noire, tout à l'heure, c'était moche. Je vais mettre, elle, la rouge. En plus, ça va bien, rouge-rose, j'aime bien cette combinaison. Tchuss, on se voit au sport. Dans les fesses que c'est reparti pour un jour.
moments later. C'est un euphémisme. J'utilise la culture de la bêtise. Oui, de ça je suis raciste. Humain à l'eau. J'aime bien ce Romain, il est trop intelligent ce mec. Ses paroles, comme elles sont super bien. Fallait trouver quoi. Il fait des jeux de mots, des métaphores. J'aime trop les jeux de mots qu'il fait. C'était l'album. Comment il s'appelait déjà cet album? L'album où il dit bâtard. Je sais pas si vous voulez. Bref. Normalement, les prochains jours, il y aura plus de rebondissements. Ce sera peut-être mieux. Peut-être qu'il est bien ce vlog hein, et que je plane moi. Peut-être qu'il sera juste un peu court. Au pire, j'espère qu'il est juste un peu court le vlog. Voilà. Demain, on va au centre commercial. Je vais à Primark. Je vais tout filmer. Je ferai un petit haul. Si j'achète des choses et tout, on verra bien. J'attends des colis. Comme ça, je vous ferai des unboxings. Je vais vous montrer les décorations de Noël. Je vais acheter les cadeaux de Noël pour ma mère. Donc voilà, tous les vlogmas de ce mois-ci, ça sera mieux qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, j'avais vraiment une baisse de motivation pour... Là, il est 20... Non, il est 19h. Et je vais arrêter le vlog là. Comme ça, je vais faire un peu de montage. Demain, je poste la vidéo sur YouTube en même temps que je fais le deuxième vlogmas. Voilà, mes cheveux à la crème. Je fais plein de bisous. Mouah, je suis désolée que rien ne se soit passé. J'espère que le vlog vous a quand même plu. Je fais plein de bisous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Non. Je vous dis à demain pour un prochain vlogmas. Ciao.